Naliambia gouverneur kama mko mnakuja. Nikasema kama wakuje. Musome memo yenu, mtupatie na mrudishie. Analojia kabisa. Ndio ndio. Asante sana kwa kutupokea. Sawa. Tutasoma na Kifaransa. Sema kwa Kifaransa. Memorandum du Conseil urbain de la jeunesse et le collectif de mouvement des mouvements citoyens du Nord Kivu en rapport avec la précarité de la situation sécuritaire dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, en présence des contingents de l'EAC adressés au commandant de la force régionale. Monsieur le commandant, la jeunesse de Goma et les collectifs des mouvements citoyens du Nord Kivu sont indignés depuis bien de temps de l'évolution de la situation sécuritaire sur différents axes de front dans les territoires précités, nonobstant les résolutions issues de plusieurs réunions et conclaves des chefs d'État et gouvernement de la région pour asseoir une paix durable dans l'est de la RDC sous l'égide de la force régionale de l'East African Community. La recrudescence de cette situation continue d'être due au refus catégorique des terroristes du M23 et ceux qui les soutiennent d'obtempérer au pré-cantonnement et cantonnement dans les sites préparés et par ricochet à la violation intentionnelle et volontaire du cessez-le-feu qui finit par les attaques des positions de l'armée loyaliste, encore mieux des phares d'essai, sous l'œil inopérant des contingents de l'EAC déployés dans les zones où les affrontements se déroulent présentement. Face à l'avancée remarquable et spectaculaire des jeunes patriotes résistants qui continuent à déloger l'ennemi des entités qui l'occupaient depuis la résurgence des hostilités, les langues des puissances occidentales se sont liées à la suite des pertes incalculables du côté ennemi et par conséquent l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC. Des milliers de populations fuyant la guerre continuent de se déplacer et sont exposées à des violences de tout genre sans assistance aucune. Il s'est fait remarquer également que depuis l'arrivée de cette force en RDC, nous ne l'avons jamais vue se battre aux côtés de notre armée, comme cela était bien dit dans l'accord qui les a fait venir sur notre territoire. Aucune volonté manifeste, encore une fois, de combattre les M23, ennemis du peuple congolais. Pourtant, c'est celle-là la raison de votre présence ici chez nous. Encore que vous en avez les moyens et la capacité. Vous n'avez aucune compassion pour le peuple congolais, pourtant en détresse. Vous êtes en train de piller les biens de notre pays en complicité avec le rebelle. On voit les jeunes filles, on viole les jeunes filles dans les territoires de Rutshuru et ailleurs où vous êtes déployés en votre présence. Et parfois, ce sont vos éléments qui le font avec la bénédiction de la hiérarchie, nous le présumons, car ils le font impunément. Jusqu'ici, nous vous avons observé pour réunir toutes les preuves dont nous nous servirons en temps opportun. Depuis que nos frères résistants d'Iwazalendo ont pris le courage au prix du sacrifice suprême de reconquérir les espaces qui sont les leurs, les nôtres, sous occupation, non seulement vous ne leur prêtez pas main forte, mais vous constituez un blocage systématique pour ces jeunes patriotes congolais, ce qui ne leur permet pas d'avancer pour libérer nos compatriotes des souffrances atroces endurées depuis leur prise en otage par l'ennemi et faciliter le retour de ceux qui sont dans les camps des déplacés à Goma et ses périphéries. Grave encore, vous facilitez, voire même sécurisez l'infiltration de l'ennemi sur notre territoire. Cet acte est de nature à favoriser la balkanisation de notre pays par la force régionale de l'EAC, ce qui est inacceptable. Et au regard à ce qui précède, nous, la jeunesse de Goma, réunie au sein du Conseil urbain de la jeunesse, mouvement citoyen, ligue des jeunes, des confessions religieuses et associations de jeunes, conscients que la paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de notre prise de conscience et de responsabilité, venons vous avertir pour la dernière fois de l'attitude que nous allons adopter à votre égard si vous ne vous ravisez pas. Nous vous accordons une semaine, soit jusqu'au 26 octobre 2023, pour observer le comportement de vos hommes sur les lignes de front. S'ils s'entêtent, ils nous obligeront à multiplier des actions de grande envergure contre vos équipes en ville pour vous contraindre de vous retirer de notre pays et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous partirez. Les degrés de souffrance que la guerre nous a infligés constituent le carburant qui nous motive pour sauver notre patrie, la seule que nous avons. Pour la jeunesse,
de Goma, Maître Trésor Katoto, et pour le collectif des mouvements citoyens, les groupes de pression Bob Bouazi. Je viens de recevoir votre mémo. Merci beaucoup. Venant de vos associations et représenté par vous-même. Dans ma qualité de commandant second, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur le terrain, vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro. Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts. Okay? Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce que ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. Vous avez vu comment les forces loyalistes sont arrivées à Mushaki. Oui, qui était à Mushaki avant? C'était un contingent, Ikraf. Oui. Nous sommes d'accord avec les Burundais. Répétez un peu. Du côté des Burundais, on pouvait relativiser. Mais là où il y a les Ougandais, Kenya et de l'autre côté, nous, c'est la catastrophe, c'est la calamité. C'est un danger. Nous sommes en train de travailler et nous arriverons. Merci. Je vous demande de rentrer en toute tranquillité. Ne jetez pas des pierres sur les forces de l'ordre. Oui, oui. Ces forces de l'ordre, y compris moi-même, nous sommes aussi enfants d'autrui. Si vous me blessez par une pierre, comprenez que moi aussi je vais vous jeter une pierre. Oui, oui. Si vous me donnez un coup de poing, je risque aussi de ressentir la même douleur qui aurait pu être la vôtre au cas où c'est moi qui vous donne ce coup de poing. Merci beaucoup. Mon général, pensez-vous que les réclamations de ces jeunes auront ici? Ces réclamations vont être transmises au haut niveau. Et si nous sommes au niveau de la force, on va transmettre chez les facilitateurs à Nairobi, on va transmettre chez le secrétaire général de l'EAC à Arusha pour avoir une issue. D'ici là, il y aura des réunions pour tabler sur cette situation. Est-ce que ces accusations sont fondées, selon vous? Quelles accusations? Que nous avions attendu, on a acquis la force régionale de l'EAC de collaborer avec l'ennemi. Je vais retourner la question. Toi, tu dis quoi? Toi-même, tu dis quoi? Je te retourne la question. En général, c'est moi qui pose la question au journaliste. Ça, ce sont les revendications de la population. Vous êtes journaliste, vous dites quoi? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Merci, mon général. Ok, merci. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous appelle comment? Je suis maître héritier Gachegou. Évidemment, je suis l'un des conseillers du collectif de victimes de l'agression rwandaise, Zevar EDF 123. Dites-nous pourquoi vous manifestez ce matin à Goma. Oui, aujourd'hui, nous avons annoncé une manifestation pour que nous puissions dénoncer et condamner la complicité exagérée et l'inaction de la part des forces de l'EAC qui sont venues pourtant aider la FRDC pour que la paix et la sécurité puissent régner à l'est de la RDC. Malheureusement, leurs véhicules, leurs engins roulants, leurs logistiques sont donnés en faveur de l'ennemi, alors que nous avons pensé que, comme nous sommes dans la région de l'EAC, nous avons pensé que peut-être ces forces qui sont venues de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan pourraient nous aider. Malheureusement, ça a tourné au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre, ça veut dire? Ça a tourné au vinaigre parce que quand vous arrivez au niveau de Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Tongo, ainsi de suite. Et donc, les forces de l'EAC n'aident que l'M23 à avancer, n'aident que ces forces aident essentiellement l'M23 à reconquérir certaines zones occupées par les Wazalendo. Et d'ailleurs,
beaucoup de forces de l'EAC n'hésitent pas à lancer des attaques contre les Ouazalendo. Pourtant, ce sont des résistants envers qui nous avons pleine confiance avec l'espoir le plus déterminé, nous qui sommes des victimes de l'agression rwandaise. Malgré l'interdiction de votre manifestation par les autorités, vous êtes décidé de marcher ce matin à Goma. Est-ce que ça explique votre détermination? Oui, nous avons bravé la peur et d'ailleurs le maire de la ville qui a pu interdire la manifestation d'aujourd'hui où la marche est pacifique. C'est une marche pacifique, purement et simplement pacifique, mais apparemment il n'a pas si réinterrogé la déclaration, l'annonce du chef de l'État pour que, allégeant l'état de siège et certaines mesures interdisant des manifestations et des libertés d'association. Et donc nous avons bravé cette peur parce que cela est dit à la souffrance que nous sommes en train de parcourir, que nous sommes en train de passer dans certains camps de déplacés autour de la ville de Goma. Certains de vos camarades arrêtés et dispersés à coups de bombes lacrymogènes, qu'est-ce que vous demandez? Oui, ce sont peut-être des policiers qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas le cœur humain. Mais nous pensons qu'avec le temps, ils seront libérés. Aussitôt que nous allons finir cette activité, nous allons exiger une fois encore que ces manifestants, nos collègues, nos compatriotes puissent être libérés sans condition. L'armée qui est censée ou la police censée vous sécuriser sur la chaussée à Goma, c'est elle qui vous disperse. Est-ce que vous dénoncez un complot? Non, il n'y a pas un complot entre l'M23 ou les forces de l'EAC et l'FRDC. L'FRDC, c'est notre force. Et donc, nous n'avons qu'une seule armée, c'est la FRDC. Nous n'avons qu'une seule police, c'est la police nationale congolaise. Et donc, nous avons l'espoir, bien qu'on a semblé disperser un tout petit peu la marche pacifique que nous avons organisée, mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec la coopération que nous avons avec les services de sécurité, avec notre devoir de dénoncer ce qui ne marche pas avec la sécurité, la paix durable à l'est de la RDC, nous pensons que nous allons encore parler avec l'autorité urbaine et l'autorité provinciale pour que nos compatriotes arrêtés puissent être libérés sans condition. EAC égale M23, quelles sont les preuves? Mais écoutez, il n'y a pas un distinguo. Et donc, le M23 est égal à l'EAC. Et surtout, les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan, qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rutshuru, Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Ouazalendo. Et donc, quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC n'aident que les M23 à déployer les engins, puisque quand vous quittez au niveau de Kalengera, ce sont les véhicules de l'EAC qui aident les M23 à déployer les effectifs et les munitions et les armes lourdes vers Bouiza en passant par Moulimbi et Tongo. Et donc, les preuves sont vraiment éloquentes. Nous n'avons plus encore à nous résigner pour dénoncer cette inactivité, cette complicité exagérée. Le 8 décembre, c'est la date fixée par Kinshasa pour le départ des troupes de EAC. Pourquoi aujourd'hui le choix? Vous avez ciblé le gouvernement provincial au lieu de vous adresser directement au QG de l'EAC. Oui, nous sommes dans l'état de siège. Donc, le gouverneur militaire qui est ici au nord Kivu, le représentant, l'autorité qui représente le chef de l'État. Bien que la date est limitée, la date est fixée pour le 8 décembre, pour la rentrée et le départ effectif des forces de l'EAC, mais nous allons presser avant même le 8. Nous allons presser ces forces d'aller chez eux, puisque ces forces n'aident que l'ennemi, n'aident que la complicité, ne participent qu'à la passivité et à la complicité exagérée pour que les M23 puissent reconquérir certaines zones, pourtant libérées par les Ouazalendo. Un message du collectif des victimes de l'agression rwandaise à ce sujet, à cette occasion. Le message est simple, nous avons souffert. Les M23 nous a imposé la souffrance. Les M23 est préqualifié être des mouvements terroristes. Ce ne sont que des distributeurs de l'angoisse. Et donc nous, en tant que déplacés, nous en tant que des victimes directes de l'agression rwandaise, nous allons dénoncer, nous allons aller jusqu'au bout et nous serons aux côtés de la FRDC et surtout aux côtés de nos Ouazalendo patriotes pour que nos territoires, les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi soient entièrement libérés afin que nous puissions revenir chez nous dans nos villages respectifs. Non, nous sommes venus ici devant les QG de l'EAC pour leur dire qu'ils doivent libérer les sols congolais. Ils doivent quitter notre territoire puisque l'EAC se transforme aujourd'hui en ennemi de la République. Et nous nous sommes dit, on doit dire à ces gens de quitter les terres congolaises le plus tôt possible. Et vous aviez suivi le général Xavier Rémy, votre mémo. C'est quoi l'essentiel? Nous venons de remettre notre mémo, mais nous leur disons, nous leur donnons 10
une semaine. Si soit nous comprenons encore que ces gens bloquent encore les chemins à nos jeunes compatriotes Ouazalendo qui se battent pour libérer nos terres occupées par les terroristes rwandais E23 RDF, c'est que ces gens, nous allons les considérer aussi comme des ennemis. Dans une semaine, ils doivent décider soit d'être des ennemis de la République ou bien être du côté de la République. Nous sommes plus que déterminés pour demander à ces gens. Et nous mettons même en garde les Américains, les Français, ceux-là qui pensent que lorsque nous avançons, ils doivent nous limiter. Pourquoi lorsque l'ennemi avance, la France ne parle pas, les États-Unis ne parlent pas. Mais lorsque les jeunes Congolais avancent, nous voyons les petits Français, les petits Américains lever leurs petites pouces. Nous leur disons, trop c'est trop. S'ils osent encore, nous allons les prendre tous comme des ennemis de la République. Avez-vous été satisfait de la réponse du général? Non, la réponse... Collectif des victimes de l'agression rwandaise... RDF M23, Seval MGDH. Mémorandum du collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF M23, Seval MGD et le mouvement citoyen du Nord Kivu. La force de l'EAC est un danger pour la souveraineté de la RDC. Son départ du sol congolais est non négociable. Au moment où le mouvement terroriste du M23 est en train de se réorganiser pour poursuivre ses attaques ciblées contre les populations civiles innocentes de Rutshuru en violation des normes du droit international humanitaire, après son échec face au groupe d'autodéfense dit Ouazalendo, patriotes résistants, dans les différentes localités qu'ils occupent illégalement dans le territoire de Masisi. La force inutile de l'EAC en RDC, en ERCF en sigle, brime toujours et renforce sa cohabitation exagérée avec les agresseurs. Lycée Tumsif, Nikikua, coordonnateur du mouvement citoyen La Voix des Marginalisés, RDC. Leo tunaandamana hii siku ya 18 mwezi wa 10 huu mwaka kuomba hiyo vikosi vya EAC ama force regionale ambayo baliweza kudeploye hapa kwetu ku Nord Kivu principalement mu territoire ya Masisi ya Rutshuru na Nyiragongo. Kwa hiyo tunaomba wao wajeshi wa EAC wawarudishe kwao. Kwa sababu tumeshakutana wale wajeshi wa EAC washajiunga na M23. Na wale wajeshi njoo wako wanapiga wa vijana wetu wa defense ama wazalendo. Tunawaita wa VDP. Wale wajeshi wa EAC wako navula hata na mateni zao mpasha habari, wanavala mateni za M23, wanaanza kupiga wa vijana wetu wa wazalendo. Ndio maana sisi ma mouvement citoyen na collectif des victimes de l'agression rwandaise tuliandamana leo kuomba gouvernement congolais iweze kuinterrompre hiyo accord ilikamata na hiyo ma inchi za maziwa makuu ama EAC, baweze kurudisha EAC wazalendo wetu wanataka wapige M23 hadi turekipere Bunagana. Sasa kama hawarudie, tumesikia government ya Kongo imesema watatoka Desemba. Unataka nini? Maandamano zishakuwa mingi mpasha habari. Kesho tena collectif ya mouvement citoyen nayo iliomba maandamano. Kesho tena tutaingia mu maandamano ambayo ma mouvement citoyen zopeke zinaomba. Donc kama hawatoshe, si hatutachunga hiyo le 8 Desemba. Tutaendelesha kuandamana hadi waweze kuwatosha. Ndio maana tunaweza omba njoo ikue retrait progressive. Donc babi précipité kwa sababu tuna haja ya amani, wa mama warudie kwa manyumba na wababa warudie kwetu. Asante sana. Ba trésor tuambie kwa nini mnaandamana? Sisi tunaandamana kwa kuonesha ukataa yetu ya EAC mwingine yetu kwa sababu depuis wakati walikuwa mwinchi yetu tuko tunaona wanakuwa plus complice ya situation wanatufikia kio kutusaidia gisi maakorzi ziliwaleta kwetu zilipenda. Walikuwa huku kwetu impressive ni kutusaidia. Lakini depuis biko huku tunasikia kama ni hapo ndio biko na bloqué. Ba patriote wetu wazalendo wenye biko wanapenda ba reconquérir ma espace yetu zenye ennemi ana occupé depuis un bon moment. Tunasikia biko wanaviolea wanamke kule Marutshuru Masisi biko passif inactif. Lakini wakati si wazalendo wanataka kukombata ku récupérer nos terres banakuwa blocage alors que batu na preuve que biko naacha ba Rwanda baingie kujirenforcer pour que baendelee kutuagresser na kureconquérir ma face de nyenzetu. Sasa mwana tunakuya kwa EAC
kuambia kama tunawapatia wiki moja, tutawaobserve kwa wiki moja, kama zile rapport zinaendelea kufika tutaanza manifester mpaka siku bataenda na bata kwa toka na vitika vitoke mbalupango zao na magari zao watatikia kufika mbarabara. Asante.